Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 10e épisode, je crois, de mon let's play sur le jeu Sport pour sa saison 3. Donc je sais pas si c'est pas le 9e épisode. Enfin, c'est pas grave. Donc la dernière fois, je vous avais essayé, on venait de conquérir le continent. Voilà, tranquille peinard, enfin tranquille peinard entre guillemets, parce que ça faisait quand même pas mal de monde. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, c'est ça, on va virer tout ce qui sert à rien, c'est-à-dire tous les trucs militaires, seuls. Et on va mettre plein de tourelles auto. Et oh, quoi, onglet atelier urbain? Mais je sais. Voilà, de quoi se défendre un petit peu mieux. Je crois que c'est bon, il reste là. Voilà, donc là, on va réussir à en descendre un peu. Il faut aussi... Oh la vache, je me suis fait descendre ma tourelle. Il faut aussi qu'on fasse un avion. On se souvient, on avait réussi à récupérer la possibilité de faire des avions. On va s'en charger. Alors, un avion. On va prendre ça comme base, c'est plutôt pas mal. Il nous faut de la grosse, grosse puissance de feu. Donc on n'a pas besoin de mettre... Non, ça c'est pourri. Quelque chose quand même d'assez aérodynamique. En fait, ça c'est pas dans le bon sens. Ah, quoique, si, si on le met là. On va quand même le monter un peu. Non, le tirer c'est bizarre. Oh, ça va en fait. Ça va. Donc, alors, bon, bah, de la vitesse à la limite, on s'en fiche un peu, mais c'est pas grave, on va lui mettre ça au moins. Il nous faut de la grosse, grosse, grosse puissance de frappe. Mais alors, quand je dis vraiment de la grosse, grosse, c'est... C'est attention, je suis vilain, pas beau. C'est attention, je suis vilain, pas beau, et avec en plus, il nous faut plus de santé. Voilà, donc là, on est à 62 de puissance d'attaque, mais on n'a pas du tout de santé. Il faudrait augmenter un peu la santé. On peut en mettre une deuxième à l'intérieur. Donc on va la réduire et on va la mettre à l'intérieur. Voilà. 28, 55, 17, c'est pas mal. Ça fait 316 de santé, 32 de puissance militaire et 23 de vitesse. Oh oui, le nom. Sus. Sus à l'ennemi. Ouais, faut quand même que je le peigne. En rouge, qu'on est rouge. Allons-y. Ça y est, j'ai plus de fric. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est quoi ce balai dansant là? Ils savent pas diriger ou quoi? Bon, attendez. Alors, on a besoin de tout ça. Je crois que j'ai plus assez de sous. Ok, donc là, il va falloir qu'on attaque une ville. Il faut qu'on attaque une ville rapidement. Je vous propose une ville un peu seule. Ouais, mais celle-là, elle est pas mal, en fait. Vu qu'elle est à côté, on est assez tranquille. Je crois qu'elle a pas de truc de défense. Ah si, elle a des tourelles. Donc voilà, on sait qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout de vitesse. Donc c'est normal qu'on aille aussi lentement. Ah ouais, on tape quand même très, 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 très fort. Hein. On tape quand même très, très, très fort. Ok. Pour l'instant, tout se passe bien, ça déchire bien. On va pouvoir conquérir cette partie-là. Ensuite, on s'attaquera à cette ville-là. Toc. La
Vache, mais en fait, les véhicules, ils popent tous en même temps, quoi. Allez, cette ville-là, elle est finie. Du coup, elle sera religieuse, vu que ça reste une ville religieuse. Je crois que c'était une ville religieuse. J'espère, parce que je crois que j'ai vraiment plus rien. Il y avait le gamin qui était à côté. Ils sont découpés, mes bâtiments, là. Il y a un problème. Religieux. Il y a un problème de découpe des bâtiments, là. C'est bizarre. Rendez-moi la main. Voilà. Donc. Donc. Il y a un volet qui vient de claquer chez moi. Attendez, il y a juste ça comme place? Nah. Quand même. Ah mais il y a genre pas de place du tout. C'est tout nul comme ville. Vraiment. Alors. Un aérien religieux. On va peut-être faire un nouveau. On va essayer de faire un truc assez bizarre. Oh oui. Un truc uniquement sphérique. Donc on arrive à le poser au centre. Ça fait très ovni. Un truc uniquement sphérique. Avec rien à l'intérieur. Ah ouais. Ça c'est concept. Ah ouais, je sais. Encore plus conceptuel. Ça c'est méga concept. À la limite, je voudrais bien essayer de faire un truc genre les zeppelins, enfin ouais, on peut appeler ça des zeppelins, je sais pas trop. Du ah zut, le film de Miyazaki, Le Château dans le ciel, c'est le seul Miyazaki que j'apprécie vraiment, que j'adore même. Les autres me font la plupart du temps flipper. On va peut-être mettre un peu plus de santé quand même. On va le mettre à l'intérieur. Voilà, un peu plus de santé. On se rappelle qu'on n'a pas besoin de vitesse, hein, on fait plus dans la puissance de feu. YOLO, avec des grosses harpes sur les côtés, ça ne veut rien dire. Et un haut-parleur sur le toit du machin, ça veut encore rien dire. C'est complètement bizarre, mais vraiment. Et un... Bah ouais, quand même là, 7... 42 de puissance religieuse, 230 de santé. On va peut-être augmenter un peu la santé quand même. On va remettre une petite bouboule à l'intérieur. Encore une autre. Alors là, par contre, on va pas aller vite. Ça, c'est clair et net. On va pas aller vite du tout. Je vais peut-être l'orienter un peu mieux. En même temps, ça reste une sphère avec des trucs sur les côtés. Je pense que niveau prise au vent, je me pose pas très bien. Ah oui. Oh oui, et le truc indispensable. Ceci était absolument indispensable. Voilà. Et en plus de ça, on va le faire grand. Voilà. Voilà, voilà mon véhicule. Non mais franchement, est-ce que vous avez vu meilleur véhicule dans sport? Ah, c'est génial, c'est magnifique. Et voilà, on vient de faire une molécule d'H2O. Sauf que c'est complètement faux. Ah si. Si, si, c'est ça. Effectivement, une molécule d'H2O. Est-ce qu'on peut le peindre morceau par morceau? Ah oui. Ça, c'est très cool. Je vous propose qu'on fasse un truc. Ah non, bah non, je suis bête. Ah, zut, la molécule d'H2O, c'est quoi déjà? C'est un blanc de rouge, on est d'accord. Et dire que c'est moi qui suis en école d'ingé, c'est... Ça craint. Non. Du rouge qui pète et du blanc qui pète aussi. Voilà. Ah oui, non mais je suis bête. On le peint tout en rouge et ensuite je repeins par dessus parce que c'est quand même plus simple. Et j'ai tout trouvé son nom. Je vais l'appeler H2O. Voilà. Et c'est un véhicule religieux. Oui, c'est totalement logique.
Qu'est-ce que c'est moche! En fait, c'est trop bien. Voilà, donc il va falloir qu'on invoque des molécules d'H2O. Oui, dit comme ça, c'est bizarre. On va faire ça, on va faire ça. Comment on va faire ça? Je pense qu'on va virer tous mes militaires. Militaires marins. Voilà, de toute façon, là, je crois qu'ils gèrent suffisamment la fougère de mon côté. C'est juste leur fâcheuse manie de balader n'importe comment. Ok, d'accord. Du coup, ça fait pas du tout, du tout, du tout bout de coup de véhicules religieux, étant donné qu'il faut que des villes religieuses. On va essayer de faire avec. On va essayer de faire avec. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille. C'est qu'on aille. Alors attendez, ça c'est tous mes vaisseaux. Donc là, ça se bat ici. Bon, allez. On va y aller comme ça. Non, mais ça c'est des véhicules aériens militaires. Ah, c'est pas pratique, c'est pas pratique. Parce que du coup, on a vraiment pas beaucoup de véhicules religieux disponibles. En plus de ça, ils se payent le luxe de ne pas avoir beaucoup de. De bâtiments, quoi. De vie, pardon. Alors. Nos magnifiques molécules d'H2O en action. Ah, mais regardez-moi ça, quoi. Donc là, il y a baston, on va en profiter. On va en profiter. Et comme il est déjà en train d'essayer d'être contrôlé, est-ce que ça va fonctionner? Ah oui, mais on se fait déchirer, quoi. Quoi, Skritatoy? Mais qu'est-ce que tu veux, Skritatoy? On se fait malmener. Quoi, Skritatoy? Ah, bon gadget. Ok, on se fait tellement malmener que ça en devient flippant. On va peut-être éviter. Est-ce qu'on peut en faire plus par la voie terrestre? Peut-être que ça doit se faire au prix. Alors, on a fait une molécule d'H2O. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on va faire une double molécule. Qu'est-ce qu'il y a? Trois liaisons covalentes. Qu'est-ce qu'il y a? Trois liaisons covalentes. Bah, de l'O2, tout simplement. Après, de l'O2. De l'O2 avec, bon, voilà, des trucs à l'intérieur. Non, il faut quand même qu'il puisse se déplacer. Ah mais ah oui, ça se déplace comme ça. Toc. On va le faire léviter au-dessus du sol. Ah ouais, ça c'est tellement cool. Non, il y a suffisamment de santé, c'est bien. Allez, on bouffe ta religion dans ta race, là. Hop, ça veut rien dire, ce que je viens de dire. On va mettre des trucs pour convaincre les gens. Et toujours ces deux harpes, symbole de notre pouvoir sur les côtés. Et je pense que là, on est plutôt bien. Je pense que là, on est plutôt bien. Est-ce qu'on peut mettre des petits trucs sur les côtés? Non, c'est bien en fait. On va le mettre en rouge avec bien évidemment. Des sphères blanches. Et oh. Pourquoi ça veut pas? Toc, voilà. Et on va l'appeler. Y'a pas une boule plus grosse que l'autre? Ah non. Elles font bien la même taille. On va l'appeler
Non, pas 02, O2. Et en rose et blanc, il est absolument magnifique. Voilà. Donc, on peut pas en faire plus, ce qui était donc absolument inutile. Faudrait plutôt modifier ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer. Qu'est-ce qu'on va virer? On a un comptant de trop. On peut virer ça. On va virer ça. Hop, on va mettre une maison de plus. Tant pis. Au moins, ça augmente un petit peu la taille de la ville. C'est surtout ça qui nous permet. Ça fait un de trucs de plus. Oh la vache, on va se faire déboîter. Bon, alors, ce qu'on va faire. Je vais prendre quelques véhicules militaires. Déjà, on va virer des véhicules militaires. Marin, on va en prendre 4. Je vais prendre ces 4 là. Où est-ce qu'on pourrait aller? C'est religieux aussi. Est-ce qu'ils ont des tourelles? Ils ont des tourelles. De toute façon, là, on va se faire attaquer. Bon, ça va qu'ils se font rapidement dézinguer. Ils se font rapidement dézinguer. Ce qu'il me faudrait. Où est-ce que je peux attaquer? Je vais attaquer ici en fait. Je vais attaquer ici. Je vais prendre ces véhicules militaires. Je vais les mettre là. Je vais prendre ces véhicules religieux. Je vais les mettre par là. Voilà. Par contre, c'est des tortues, je crois, mes véhicules religieux. Ah oui, déjà, est-ce qu'on pourrait pas récupérer ces trucs? Quoi? Quoi? Ah oui, on peut pas récupérer parce qu'on est en l'air. Donc déjà, on va récupérer ceci. On va récupérer ça. Donc on va défoncer ça. Tac, on va défoncer ça aussi. Voilà. Là c'est bon. Donc on va défoncer celui-là aussi. Comme ça, une fois qu'on aura fait le champ libre pour les véhicules, on pourra essayer de les récupérer. Alors. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous demande pas d'aller là. Je vous demande de défoncer ce bâtiment. Quoi? Il y a une ville. Mais arrêtez de vous déplacer n'importe comment. Alors attendez, comment ça ma ville se fait attaquer? Normalement c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Tu peux attaquer sinon, hein. Ça marche aussi. C'est vraiment bizarre. Je crois qu'on va se faire défoncer un véhicule. Tiens, je peux en faire? No. Est-ce qu'on va arriver à la prendre au moins? Parce qu'il a pas l'air de bouger beaucoup le. Ça bouge même pas du tout. Je regarde les autres villes. Celle-là, elle est grosse quand même. Ça me dit bien de la prendre. Parce que. Ah, si, voilà, le truc commence à rentrer. D'ailleurs, il faut que je récupère un nouveau. Heureusement qu'on n'est pas très loin. Donc là, mes véhicules aériens sont très pratiques. Ah, ils ont encore défoncé un. Bon, ça va mettre des plombes, je sens. Sauf s'il y a quelque chose qui se passe, genre. Ouais, c'est pas mal ça. En plus, j'ai 83 000 de fric. Attention les yeux.
Quoi, ça fait déjà 20 minutes? Voilà, donc là au moins on a le champ libre qui est laissé par... Ok, là il y a une grosse baston. Je demande à tous les Gugus qui sont ici de revenir un peu se remettre au bon endroit. Ils ont encore refait des véhicules, quoi. Alors, nous. Vous, vous allez prendre cette ville, là, parce qu'elle commence à me saouler. Voilà, Skritatoy, comme tu dis. Va Skritatoy ailleurs. Voilà, j'ai des gros problèmes de gestion de véhicules religieux qui... Oh, merde. Bon, un véhicule aérien religieux, c'est pas très grave. Ça sera déjà peut-être plus performant. Mais je veux pas que vous le capturiez militairement parlant. Et qui sont cons. Ah ouais, mais en fait, je prends trop de véhicules avec moi, quoi. Non, là, je prends tous les véhicules. C'est pas ça que je veux. Mais merde, arrêtez là. Mais que c'est trop compliqué à comprendre. Et tout ça, c'est sans... Bon, allez. Tous les militaires. Vous me prenez cette ville. Merde. Voilà, on va refaire des véhicules religieux. Ah la vache, c'est pas facile à gérer, mais alors vraiment pas. Et on va le prendre en version religieuse. J'ai quand même un défi à réaliser, moi. Attendez. Je rappelle, tous les militaires, allez prendre cette ville. Vous êtes suffisamment puissant pour y arriver par vous-même, non? Bon, voilà. C'est sur cette future victoire, j'espère, que je vais vous laisser là pour cet épisode. Je regarde un peu ici. Bon, c'est un peu la galère, mais on devrait y arriver. C'est juste le défi qui est compliqué à réaliser. Je rappelle que le défi, c'est arriver à capturer des villes de toutes les manières possibles. Sachant qu'il n'y a plus d'économique, donc je peux pas faire les économiques. Il faut au moins que je fasse les religieux. Bon, voilà, ça y est, j'ai récupéré une ville. Mais enfin, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on a dépassé le maximum de temps de l'épisode. Donc, je vais arrêter là. En tout cas, moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, à mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Le plus important, partagez la vidéo, vraiment. Quant à moi, je vous dis à plus, donc dans 3 jours, pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous!